Yo, salut mes petits poulets, mes petites poulettes. Voilà, petit style de vidéo que je fais jamais, mais là, bon, je pense qu'il faut le faire, pas forcément pour faire le buzz ou, mais juste pour réagir, pour vous faire comprendre quelque chose. The Kiri 78, le petit TK. Donc, comme vous le savez, moi, j'aime pas. Enfin, j'aime pas le personnage TK. Jawed, j'aime bien la personne Jawed, ce qu'il dit, ce qu'il fait avec ses abonnés, la main sur le cœur, tout ça, les belles paroles, ça, j'ai pas de problème là-dessus. Moi, ce que j'aime pas, c'est le personnage Twitch et YouTube. J'aime pas trop ses vidéos, tout ça. Ça, c'est vraiment autre chose. Il y a comme moi, dans la vraie vie, c'est Julien, et sur YouTube, c'est Bruce. Voilà. Donc, moi, le personnage TK, moi, m'intéresse pas. Moi, je veux juste parler de la personne Jawed. Bon, voilà, il y a l'histoire, vous savez, hein, il a 32 ans et il est en couple avec une fille de 17 ans. Et il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Les gars, on est qui pour juger, sans déconner? Je parle juste dans ma communauté comme ça, je m'en fous, je parle pas à la communauté de TK ou n'importe. Mais on est qui pour juger en fait, les gars? Enfin, je sais pas. C'est sa vie privée en fait, c'est ça que j'aime pas, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. C'est sa vie privée. Je sais pas. Vous pouvez critiquer son contenu, vous pouvez critiquer sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch, critiquer ce qu'il fait en live. Mais on n'est personne, en fait, pour critiquer sa vie, quoi. Je veux dire, on en connaît tous des gens qui ont des différences d'âge. Voilà, comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. C'est sûr, il sera en couple avec une gamine de 13 ans. Bon, là, oui, je comprendrais pourquoi on se jette dessus, on va lui mettre sa tête sur un pic, ça je peux comprendre. Bon, 17 ans. 17 ans, ouais. Moi, ça me choque pas plus que ça. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a même des plus grandes différences d'âge. Mais on s'en fout, quoi. On s'en fout, les gars. C'est sa vie. C'est. Enfin, voilà. Tant que lui, elle, la famille autour sont d'accord, enfin, on n'a pas notre mot à dire. Voilà. Enfin, je trouve que ça sert à rien de le critiquer, de machin. On est personne, en fait. Alors, il serait sorti, je sais pas, c'est pareil, alors, il y a la différence d'âge, mais il serait sorti avec une black, avec une asiate, avec une schtroumpf, avec une rebeuse, une française. Tout le monde aurait trouvé un moyen de le critiquer. Voilà. Enfin, je sais pas, non, on fait un peu ce qu'on veut, enfin. Je sais pas, arrêtez de critiquer, de vouloir lui couper la tête. On n'est personne pour critiquer. On n'est personne, personne, mais personne. C'est tellement facile de critiquer. Surtout en amour, enfin voilà. Comme il l'a dit sur des vidéos, là, je ne vais pas vous mettre d'extrait de vidéo, mais il l'a déjà dit qu'il a eu des relations avec des personnes de son âge, ça ne marchait pas. Et voilà. Et là, bah, il a rencontré cette fille, le courant est passé, et puis voilà. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Moi, je pense qu'on est personne pour critiquer les gens. Moi, j'aime pas ça. Je pense que la bienveillance, c'est le meilleur remède à tout. La vie est déjà assez compliquée. Alors, si en plus il faut qu'on commence à critiquer les gens, alors vous allez me dire oui, il est influenceur, c'est une personnalité connue. Donc, certaines personnes vont me dire que quand on est connu, on n'a plus de vie privée. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On a tous une vie privée, connue ou pas connue, on a une vie privée et ça ne regarde que le privé. Voilà pourquoi ça s'appelle du privé. Voilà. Le personnage public, c'est TK quand il est en live, quand il est sur ses réseaux sociaux. TK 78, oui, là, c'est public. Là, vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est Jawed. Donc là, c'est son côté privé. Donc en gros, ça regarde personne. Je sais pas, voilà. Je suis pas pour ou contre, je suis neutre, voilà, c'est tout. On est personne. Voilà, je crois que c'est le mot à dire. On est personne pour juger. On est personne. Pourquoi de la haine? Toujours de la haine, toujours de la haine. Toujours, toujours, toujours. Je comprendrai jamais pourquoi il y a tant de haine comme ça. Si on était tous soudés, on pourrait tous aller loin. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc j'espère que mes petits poulets, vous ne faites pas partie de ceux qui commencent à cracher partout sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, vous le savez que sur ma chaîne, je prône pour la bonne humeur, la bonne ambiance, l'entraide.
Voilà, ne critiquez pas les gens, ça n'apporte rien, la critique n'apporte rien. Faites du bien autour de vous et on vous le rendra. Mais ça va rien vous apporter de critiquer ou donner votre avis ou n'importe. Moi, je ne donne pas mon avis. Je dis juste que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'était juste un petit message comme ça. J'avais envie de le faire parce que je vois tous les youtubeurs, les pseudo-youtubeurs critiques, les machins. Il y en a plein qui le descendent. Je sais pas, ça t'apporte rien. L'ouverture d'esprit, je pense que c'est une belle qualité. Et ne juge pas ton voisin, ne le juge pas. Ne juge pas. Voilà, ça regarde sa vie privée, ça le regarde lui et sa femme, sa famille au pire. Et voilà. Voilà. Bon, vas-y, je vais arrêter là. C'était juste pour faire cette petite vidéo. Pour arrêter la haine. Arrêtez. Ça sert à rien, la haine. Vraiment, ça ne sert strictement à rien. Je vous embrasse fort, mes petits poulets. Et puis, voilà. Je vous dis à très vite. À très vite, mes petits poulets. Gros bisous. Force à toi, TK. Voilà. Non, je veux dire force à toi, Jawed, plutôt. TK, je m'en fous. Force à toi, Jawed. Et puis, voilà. Continue, lâche pas. Et puis, fais ta vie, c'est ta vie privée. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Gros bisous, mes petits poulets. Gros bisous, mes petites poulettes.